Il y a un petit oiseau qui était protégé par une vache. Et un jour, la vache a dû partir et elle dit au petit oiseau, écoute, je dois partir, m'éloigner de toi, mais je vais te laisser dans les meilleures conditions possibles. Or, c'est l'hiver. Donc, la vache, elle attrape le petit oiseau très délicatement et elle le dépose, ce petit oiseau, dans une grosse bouse chaude qu'elle vient de faire. Petit oiseau qui est englué là-dedans, il a chaud certes, mais il n'est pas content qu'on l'ait traité de si basse manière. Il dit, ah, couac, je suis là-dedans, tout ça, couac. Et il piaille tellement qu'il y a un renard qui passe, qui attrape ce qui dépasse et qui le bouffe. Moralité, même si tu es dans la merde, tu fermes ta gueule. Elle est bien bonne, hein? Bon. Ça ressemble beaucoup à l'enseignement hermétique. C'est exactement l'observation de ce qui se passe. Bon, pour dire que quelle que soit la situation que l'on occupe, il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas en retirer. En retirer, c'est de la fausse modestie, en rajouter, c'est geindre, c'est-à-dire perdre toute dignité. L'autre partie de la leçon de ce bousier, c'est que de toute façon, l'existence, c'est-à-dire non pas la vie qui est le soleil, mais l'existence qui est la lune, c'est une boule de merde que l'on déplace. Écoutez, la leçon est fantastique. Cette boule de merde, elle est constituée de merde récente et de merde ancienne. Il y a de la paille dorée dedans. Ça veut dire que vous poussez votre passé avec vous dans le sens inverse, parce que vous, c'est votre ignorance qui vous empêche de voir le bon sens qui va de l'existence à la vie. Si vous alliez de l'existence à la vie, vous seriez tous en train d'étudier l'astrologie comme des féroces, l'alchimie comme des malades, et évidemment ce qui va avec la magie comme des tordus. Voilà la chose vraie.